Face à l'opinion spéciale, campagne électorale, bandeko, balandi, bozo, zoabiso, libanda, tout nakati, ambo, kambo, te, pe, boye, bola, mouna, manaka, nabino, yamokolo, namokolo, nazobo, sanakolbate, que toza, na 13 jours, kaka, nde, kaboli, biso, namapono, mio, et que sale, mabongo, le 20 décembre prochain, denge, calendrier, ya, seni, et pesa, menaki, biso, lelo, spécialement, to, embeli, bino, moko, ya, ba, eba, kendan, sango, aza, ya, ko, présenté, te, kasina, ko, présenté, kaka, po, candidat numéro 707 Yalukunga, 303 Yangaliema, Azali Bongo, ancien journaliste. Kasilelo Toyambie, le président et parti politique, bloc de bâtisseurs du Congo, Ndeko Jimmy Mukendi Chimanga. Bote. Nazanga Mokote sur ce plateau, Nazali Bongo Ndeko Danzan, Nomona Bokam Bote. Bote. Bienvenue, monsieur Jimmy Mukendi. Merci beaucoup, Dan. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci. Ndeko Jimmy Mukendi, ça est, c'est un peu na plateau, na biso, totangi CV na yo, totangi mayo, salipo na mboka, et ça, tout le balélo, 20 ans depuis, aux eaux servi au mboka na yo. Pourquoi, au Luka, Lukunga, pesa au bavoir, aucun ne colobe la bango, ni ne motive yo? Motivation, et ça clair, parce que, d'abord, merci. Pour l'invitation à Bino, merci Naomi, merci Dan, merci beaucoup pour l'invitation. Motivation, il y a d'abord process, c'est-à-dire rien n'est fait au hasard. Ni on sort, et ça l'a mis, c'est longtemps, paix, et c'est que na tangoyo, na singabana yalukunga, ba voix na bango, pour na kende parlement. Pourquoi, même dans mes affiches, nazo koma il est temps, il est temps. Parce que tu as observé, tu as parlé de 20 ans de profession. Tu as observé pendant 20 ans. Tu as travaillé pour la population pendant 20 ans. Maintenant, misalanyo soto sali, on est limité par rapport à Oyo et Sengeli Tosala. Tu le sais mieux que moi, un journaliste qui se limite à collecter, à traiter et à diffuser. Journaliste. Azate qui a moni salité na balabala le lendemain, il a collé peut-être convocation. N'a pas propriété à parcelle Liboso. Journaliste se limite à dénoncer. Ce travail de dénoncement ou de dénoncer le mauvais chose, on l'a fait pendant 20 ans. Mais tout le monde est n'a pas limite par rapport à un pays qui est en délai. Le 20 ans, au salipé et que vous avez mappé l'expérience auto accumulée parce que maman Naomi Kobo Sanate. Ma processus électoral, il y a tango au ngai, nazaki na katia ma profession, et ça l'a mis trois fois, c'est-à-dire en 2006, toke oyami balé, sima oyami sato, oyelexek président Fachi, et puis, si ko tozo kene na quatrième, namba processus ou ananyonso, comme journaliste, analyste, animateur d'émission comme vous, à l'époque, d'ailleurs, époque il y a haute autorité des médias, oyo, et comme c'est ça que mon collègue allé Bissot Ozaki est retenu comme l'unique émission, Nakatia Kiosis, l'unique émission, Yalingala, Ozaki est retenu pour Yamba, ba candidat. À l'époque, Masolo Yakati, Tobaneko Salayango, na chaîne de télévision Horizon 33. Donc, on a compris tout ce qui s'est passé na pays na Bissot, à combien plus forte raison, surtout na Lukunga, na circonscription na Bissot, comprendre Makambu, Ndengeza ko Salama, Ndengeza li ko Kende. On a regardé la population. Dingue totali population. Ezotinda biso li susuté tous à la fière yako kota na katia makambu pour s'enrichir et remplir des poches. Et tinda biso na sens ya apostola to kende poto servir réellement peuple wana. Parce que dans ma carrière, j'ai eu la chance yako circuler mboka mobiba. J'ai eu la chance yako bimali banda surtout ko bimali banda ko bona ndenge zali ko tambola mama Naomi toza na moi retard quand bien même que gouvernement oyo ezali na volonté zali ko cha ba base mais peut-être tout au long ya émission na ko expliquer et si kanini ngai na ko insister pendant mandat nanga pour te gouvernement to pe ba gouvernement oyo ko ya echa accent wana pour makambo ki le donki par exemple problème il y a corruption parce que mais tant que première éducation est composée, oyo,
Ils ont ça là, qui est conséquence, il y a manque d'éducation. Éducation financière, éducation à la chose, il y a gestion à la chose publique. Oh, ils allaient que ça là, qui est directement. Et ça là, que incompétence, et il y a. Et puis, qu'on y ait gérer la chose publique, et il y a. Et puis, qu'on y ait gérer la chose publique, et il y a. Et puis, corruption, et il y a. Et ça va bilo, oh, et sengeli, tout bundé là. Qu'on y ait un système en place, poté. Mboka est à la protéger. Il y a un peu à Koloba justement, ma proposition n'a eu aucune au sein du Parlement, dégage au sein des députés. Et Zali, Ozali, ancien Ozali, au fait, candidat malheureux, en 2018. Non, Naza candidat malheureux était. Nakitambo, Okimi Kitambo s'est retrouvé dans Galier, mais Ana Lukunga ni ne s'est mis pendant. D'abord, Naza candidat malheureux était de 1, et puis de 2, Naza candidat député provincial. Donc Naza candidat Yakitambo était. Nakoyiko botama kitambo, nakoyiko kola peut-être na lingwala, et puis nakoyiko fanda na ngaliema, nakoyiko sala makamusu na monga fula. Preuve en est que soko tali na archive ya commission électorale indépendante, bato nyonso bazwa na Lukunga. Soko tali bien, bana Kinshasa ya vrai bazati. Eza défi. Donc na liste à 14, peut-être ya législature passé, bana Kinshasa bako le katamusu 3 ti. Soko tali penza bien, ba originaire ya Kinshasa. C'est aussi un problème, mais Trolobanini, les populations des s'est décidé par rapport y a bah Obalini bah pèse un mandat. Mais moi par contre, Kolobaki Naza moi na kitambo et que limitenga par rapport au Yangali et Maté topé par rapport à Bandalte, j'ai mis quiconque à défi. Dans la période électorale, Naza numéro 717 à Lukunga, 303 Yangali ma partout au Okochanga na Obima, même Nanjili. Ah bon? Partout au Okochanga au Kenya. XL na Bruxelles au Tchenga candidat na Obima. Pourquoi? Parce que na respecté processus. Topé na respecté ba étape nyonso pour lelo na lobakenaza digne ya koya ko se présenter en face d'Abino comme candidat. Pourquoi na boy candidat malheureux? Maman Naomi, il faut retenir que na 2018, j'étais le meilleur élu. Il y a parti politique nanga. Je dis bien le meilleur élu. Ba archive ezana Seni. Parti politique au Nazala Kiwana, Kobana Moutou Nango, Tina Souka Nango, Mère Linga et Onafandi. Barchi Vezana Seni, Nangana nous vivons, quand bien même à Kesso Yuat. Barchi Vezali. Tozoa qui était parce que Tozoa qui était. À l'époque, c'était compliqué pour nous, on n'avait pas de moyens. C'est-à-dire, lutte au bisoto, ça, l'élotopé, opportunisme, au Batouaya Nango, la politique, l'élo, nous ne l'avons pas. C'est un processus. Donc, Tina Yé Pona Senga, Bande Koba Pesanga y Manda, c'est parce que j'estime que na l'équipe a étape nyonso oyo ko sala ke lelo Jimmy Mukendi na biso au-delà de tout, mais c'est lui qu'on connaît, journaliste, communicant, acteur politique, acteur social, frère na biso, ndeko na biso église, moi na quartier na biso, ba pesa ngai confiance parce que confiance wana na ko mérité en haut par rapport à ce que je fais. Donc na yo moko promis le pays que za di na confiance la population té na nga moko. Maman Naomi, nanga mokoti, à Kitambo, j'ai fait plus de 2000 voix. Kitambo ya pamba. Si je te dis que na campagne ou elekaki, si c'est une révélation, je ne sais pas. Mais na sa ki moins de 50 affiches. Moins de 50 affiches. Je n'avais pas de moyens pour passer dans les médias. Mais j'ai fait plus de 2000 voix, Kitambo ya pamba. À Lukunga, on a 7 circonscriptions. Maman, on a la table à Nandiela. Je sais ce que je suis par rapport aux autres. Je sais ce que je fais pour ce pays. Je sais comment est-ce que j'ai mouillé Mayo Nanga pour la question de la République. Je sais comment est-ce que je me suis comporté. J'étais attentif. Il y a un peu de déco. Dan Malouba, mais aux autres, il y a eu un peu de 2006, 2011, 2018. C'est tout comme Alélo. Mais na processus électoral au Batobé, Bazolo, Bakézo, Tambola, Balamte, surtout dans les coopositions, Balobi fraude, des autres Bongama, Balobi fichier électoral, et Zate, Nyon, ce Zotamba, Balamte, Bazo Bongisa, Bayiba, Maponomi. Yo, étant que analyste, étant que moto, Azape parti prenante Nakati à Maponomi, est-ce que vous analysez les réactions des années? Ma Naomi, vous parlez à un ancien opposant. Ancien opposant, il y a six mandats goûtés, il y a extrême. Il y a un risque. Peut-être tout ça, nature morte na batu mususu au bar au sala un peu théâtre sur ma vie à batu. Moi, j'estime que si quelqu'un m'envoie parler pour lui, l'ascenser, et que
excusez-moi le terme, mais il est insensé, c'est moi qui suis plus bête et je ne respecte pas les gens qui me regardent. Il faut suivre mon regard. Cela veut dire quoi? Au moins, il a payé Nabisso. Opposition, opposition. Made in UDPS. Depuis 13 parlementaires, Togo Kita, Togo na Conférence nationale souveraine, Togo Kita, Togo na Afdel, Togo Kita, Togo Miti Fachi, Tshisekedi, Chilombo, Félix, Azo pouvoir, pour moi, il y a petit Fachi. Je dirais pourquoi. Il y en a qui ont pris ça, le wap populisme, non, le bas, pourquoi? Ti Tshisekedi, Chilombo, Félix, Azo pouvoir, Lélo. Toyebi, fonctionnement. Et puis, marque et opposition. Ce n'est pas ceux qui sont là-bas aujourd'hui qui peuvent faire peur à pouvoir les en place. Je suis désolé. Toyebi, Néni Nimarambo, un fonctionnaire. Mais du côté depuis processus et bandit, Toba processus et banana mbo cannabis. Maman, témoin, journaliste dans le cadre je l'étais. Depuis moi, je n'ai pas participé. Baliste Kobima. Oyo et salami na processus oyo. Nanou et salami. Yamala mouni et salami. To crié. To yabo keseini et salami. Nanou et salami pétain. Et yana biblon sou nan et salami tain. Ça dit, yana qui prépare. Bah, on prépare déjà contestation. Yana qui prépare les élections. Moi, je prépare les élections. Je suis venu battre la campagne. Je suis venu dire que ngam na obima les premiers na lukunga. Et kozala ou oui. Population Zolanda, je le dis. Et Michel Zan Lukunga, mais personne n'a raison au Lukunga de voter l'ingaté 707. Personne n'a raison d'aller mais voter l'ingaté. Tu me donnes la raison. Les compétences, les études, et puis l'expérience. Question de la République. En tout cas, attends, j'étais quand même votre président des étudiants à l'IFASIC, je n'étais pas si piètre que ça. Et puis, une grande institution comme l'IFASIC ne pouvait pas laisser un président piètre. Tu vas rappeler Bandeko Bazola Nabiso Kioza, ancien patron, donc, tu vas rappeler Naebi. Merci. Alors, quel bilan faites-vous de la législature de 2018 à 2023 de notre Parlement? Parlement, je veux. Assemblée nationale, particulièrement. Assemblée nationale, le travail de l'Assemblée nationale. Je veux peut-être surprendre beaucoup de gens par rapport à ma réponse ou par rapport à ma manière de voir les choses. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui parlent du changement de la classe politique. Ils les prennent comme un slogan, ce qui est peut-être malheureux. Moi, j'irai très loin. Moi, je parle du changement des lames politiques. Aujourd'hui, notre République a besoin des hommes intègres. Bien entendu, vous allez dire que ces messieurs-là, parce qu'ils en ont quantité, en ont simbité. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre pour ce pays? J'ai vu Kabila venir. J'ai travaillé comme journaliste dans ces pays. Je travaillais avec les gens de l'opposition qui fonctionnent mal. Je travaillais avec les hommes politiques. Je parle même, des fois, quand je parle avec ma femme, je le parle. Je dis, vous savez, moi, je respecte beaucoup les pasteurs. Mais pour avoir été journaliste, les pasteurs que les gens respectent, certains d'entre eux, viennent chez moi et ils donnent l'argent pour demander à ce que je puisse confirmer qu'il a sorti quelque chose du ventre de quelqu'un pour le diffuser. En tout cas, j'avais besoin d'argent. J'ai dit miette. Un pasteur, s'il vous plaît. Voyez là où combien le mal est profond. Si nos pasteurs, là où nous laissons nos femmes, nos enfants, aller prier, font des choses comme ça, à combien plus forte raison, ce qu'on appelle politique, député. Aujourd'hui, les rues de Kinshasa sont bandées, des brandings, de banderoles, de panneaux, de tout. Tout le monde veut être à l'Assemblée nationale. Mais que comptez-vous corriger? Pour faire quoi? Je parle de l'homme. J'étais dans des exemples. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Je parle des individus. Comment arriver? Moi, personnellement. À changer la perception. Moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de différence. Je respecte les gens qui ont lutté pour qu'on en arrive là. Parce que j'estime, à mon égard, qu'il y a eu quand même changement, il y a eu quand même évolution dans un certain nombre de choses. Vous allez me rejoindre peut-être plus tard par rapport à mes analyses. Je salue et je respecte certains nombres de gens. Mais je n'ai aucun respect pour tous les transhumants
du législature PPRD Kabila qui viennent, qui sont venus à l'Union Sacrée. Je n'ai aucun respect pour tous les Banapoto qui ont laissé leur job en Europe, soyez quand même élégant. On est en campagne. On est en campagne, on va redevenir élégant au mois de janvier, ok? Quand vous dites job, c'est quand même... On est en campagne. Je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Mon cher, toi, je respecte ton cursus. Tu viens de me rappeler quelque chose que je ne savais pas. Je suis un admirateur de ce que tu fais. Mais tu m'as rappelé que quand moi je sortais comme président des étudiants, toi tu venais à l'université. C'est-à-dire on se connaît sans se connaître. Donc, si quelqu'un me demande de te juger, je veux te juger en fonction de ce que je vois à la télé et de ce que je connais de toi. Mais aussi, si quelqu'un te demande de me juger, tu vas me juger en fonction de ce que tu connais de moi. Même avec Madame Naomi, je rentre au Parlement. Nous devons changer notre système de pensée. Ce n'est pas un problème du pays. C'est le système de pensée de l'homme. Tant que aujourd'hui, quand on descend dans nos bases, les gens, ça... Hier, on m'a dit qu'à Tchang, les gens se sont battus. Deux candidats. Un candidat demande à l'autre de déchirer les affiches de l'autre. La nuit. Et l'autre aussi demande... Et puis, c'était la bagarre. À Tchang. Mais bon, j'ai pris le bon Dieu qu'à Lukunga, ça ne se passe pas. Parce que les électeurs de Lukunga sont très, très, très calmes, respectueux et gentils. Mais attention, à Lukunga, si par exemple, moi, je vais avoir 30 000 voix ou 20 000 voix, je vais corrompre. Si je donne un dollar à chacun, je donne combien? 20 000. Est-ce que tu crois que tous ces gens-là qui habitent ma campagne, Ngaliema, tous ces gens-là qui habitent, je ne sais pas moi, Météo, Mbinza, Pujon, Delvaux, même mes frères des Kaluka, des Malueka, sont achetables? Je ne crois pas. C'est alors, je viens le dire ici, que je n'ai pas d'argent. Et je ne suis soutenu par personne. Je soutiens Félix Tshisekedi par conviction. Donc ce Parlement n'a pas aidé le pouvoir en place. Le Parlement a donné l'image de l'homme congolais que nous avons. Je veux toucher, parce que ces derniers temps, on parle de bordure. Hein? Je ne touche pas de bordure, mais je touche la plaie. L'affaire Ram. On a connu l'affaire Ram. Il y en a qui ont peur d'en parler. Moi, je veux en parler, je touche. Surtout que Ozaki Nanzungu, il faut éviter sa population. On est en campagne, on va négocier après. On est en campagne, la population doit connaître la vérité. Comment est-ce que ça s'est terminé? La population s'est retrouvée après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Jimmy Mukendi, je soutiens Félix Tshisekedi par conviction, pas pour m'enrichir. Il y a un problème de l'homme congolais dans cette législature qui vient de passer. Prévaneur, quand vous partez sur le terrain, je crois 90%, si je suis gentil, des députés qui sont là et membres du gouvernement qui sont maintenant ne vont pas rentrer. Je croise le doigt. Ils ont échoué? C'est la population. C'est la population. Le gouvernement a échoué? Je ne parle pas de l'échec. Si je parle du gouvernement, je risque de mettre... le chef de l'État à l'intérieur. J'enlève le chef. Comment? J'enlève les chefs. Tu parles de quel gouvernement? Non, je commence d'abord. Non, parce que la non, le chef a commencé 5 ans, on le juge selon 5 ans. Ilunkamba, Samba 1, Samba 2. Nul. Les Warriors. Samba 1, Samba 2. Les Warriors, Samba 1, Samba 2. On est sur les réseaux sociaux tous. Essayons de publier, vous êtes journaliste sur votre page. Citez-moi les meilleurs ministres. Marcel Liou, par exemple. Marcel Liou. Ah, vous parlez de Jean-Pierre. Jean-Pierre, plutôt. Jean-Pierre Liou, pardon. Mon frère, je ne l'ai pas sorti de votre bouche. Et moi, je savais que c'était ça la réponse. Malheureusement. Tu t'imagines? Et l'unique. Je dis bien l'unique. Et qui bat ça? Je ne cite pas les noms des gens. Je reste dans ma campagne. Je suis candidat Jimmy Mukendi, journaliste. Je reste dans ma campagne. Je ne veux pas
entrer au Parlement pour mettre en difficulté les chefs de l'État. Je ne veux pas entrer au Parlement pour mettre en difficulté la personne qui m'inspire. Je ne veux pas entrer au Parlement pour mettre en difficulté mon candidat favori, le numéro 20. Donc, notre pays a des problèmes. Si on dit que notre pays n'a pas de problèmes, donc aussi. La corruption, l'honneur, sens des dignités, l'homme congolais, le psyché, l'intelligence, la réflexion. Mm-hmm. On nous a appris à l'université par le professeur, pour ne pas le citer, Jean Bosco Mamba, sciences politiques, mm-hmm. que la politique est un jeu. Et plus tard, un de mes maîtres est venu, paix à son âme, Kayembe, est venu ajouter que la politique, c'est un jeu des excellents. Ne laissons pas le pays aux brigands, aux voleurs. Quelqu'un qui vient, il vole, et puis il vient chercher à nous diriger. Mais à quel moment Parlement aussi là est échoué, Namusa Nango ya ko contrôler. Justement. Ce qui est bon par rapport à mon discours. La lingala tolobara, ma question est yo. Ma réponse est là. Et c'est au public qui nous suit de juger. On a un problème d'hommes congolais. Et ce qui peut être parlementaire, gouvernement, magistrature. Il faut que ça change. Maman Naomi, on dit pour Nini, na Dubaï, il y a Dubaï. Sauf que na Dubaï, sûrement, il y a du masolo à Dubaï. Tu sais pourquoi? Quelqu'un peut avoir une idée? Semble-t-il, parce qu'il y a des caméras partout. Nos gouvernements, parce que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Nos gouvernements, oh ben ça a mis ça là. Tu sais combien de magouilles certaines personnes ont hérité du pouvoir de Kabila. Oh ben il y a un tina fachi. Oh ben il y a un bambon à l'État. Ah, moi, il y a un castille. Attends. S'il n'y a pas eu rupture, il y a toujours continuité de l'ancien système Kabila, Tshisekedi. Mais regarde, Tshisekedi est isolé. Regarde, qui a fait campagne, qui a battu campagne avec Tshisekedi en 2016, en 2018 Kabila. Qui est encore à côté de Tshisekedi? Tu ne vois pas que le monsieur est en train de battre campagne avec sa femme? Ça, vous n'avez pas vu? Ah, mais il y a Jean-Pierre Bemba. Mais, non, il y a battre campagne. Vital Kamerhe. Quand Tshisekedi circule avec Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Chacun dans son... Dans ça. Moi aussi, je bats campagne pour Tshisekedi. Je l'ai fait en 2018 gratuitement. Je continue à le faire par conviction. C'est lui qui connaît que le président de la République m'a donné autant pour faire ce que je fais. Il peut venir bondir. On est en campagne. Quelqu'un peut venir vous démontrer, vous donner des preuves. Moi, je suis candidat à Lukunga. Je suis candidat à Ngaliema. Je vais être sérieusement voté et beaucoup voté. Parce que j'estime que les gens ont mal voté. On a voté des voleurs, on a voté des escrocs, et nous pleurons. Nous sommes en train de pleurer. Madame Naomi, moi je suis parti à Kanluka comme journaliste, il y a beaucoup d'années. Comme il y a même que maintenant, je suis là de temps en temps avec eux. Mais je suis parti là, c'est-à-dire d'où je tire ma motivation peut-être de parler des autres. Je suis parti faire un reportage à 3h du matin. J'ai voulu faire un reportage, j'ai calculé de 3h du matin à 9h, qu'est-ce qui se passe à Kanluka. Parce que la plupart de nos jeunes gens cireurs, c'est pas moi, ce qu'on appelle à Kinbana Effet et autres, sortent de là. Aujourd'hui, il y a même des Wewa qui sont là-bas. Madame, qu'est-ce que moi je n'ai pas vu comme misère? Dernièrement, j'étais en campagne, je suis parti. Les gens n'avaient pas d'eau, de l'eau, 21e siècle, de l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Et puis un candidat député, il inaugure un forage, c'est pas moi. Et puis voilà, il dit qu'il doit être voté. Forage, moi, ça la nini na ba na kaluka. Forage, mi balé, mi satu, ça la nini. Vaut mieux que ça que rien, mais oui, mais ça insulte. C'est pas ça. Le député, on vous attend plus que ça. Mais nous, nous rassurons Bissot que Bino Baye Bozo y a des lots pour Papa Moli Rassia Lobaki à Mopolele et que Bato Ne me mets pas dans ce sac-là. Parce qu'ils savent que je ne suis pas avec eux. Ne me mets pas. Ni la Kissi Bissot, Kendeko Jimmy Moukendideo n'a parlé. Ma, on s'en a mieux.
Surtout que les journalistes, bien sûr, ils ont passé à ma belle, ils ont parlé. Bokenda est belé, Bokenda est film, Bokenda est blanc, belé, Kuna, Bobima, Bossaré. Bon, au tout, il y a une question belé. Au bandé, na combat battu. Tout d'abord, combat battu, j'enlève l'équivoque, je ne suis pas avec eux. Je n'ai jamais été avec eux. Tu me connais personnellement. Je n'ai jamais avec eux. Je n'ai jamais été avec eux. J'ai ma manière de faire les choses. Jusque maintenant. Donc, ce qu'on détermine, Batou, attends vraiment, on a diable pembe nanga, kochanga ne mon a diable te. Ça c'est de un, de deux. Les journalistes, il y en a qui ont réussi aussi. Il y a pas que les journalistes qui ont échoué. Il y en a qui ont le mandat et qui ont réussi. Les journalistes, je mets tout le monde dans le sac, c'est-à-dire les promoteurs des médias, tous ces gens-là qui sont en politique, il y en a qui se battent bien depuis belle heure. Et ils sont réunis. Pour, je ne t'informe rien, ce pays a été inventé par les journalistes. Stalin, journaliste, Mobutu, journaliste, Kassavubu, journaliste. Je peux te citer plus que ça. Beaucoup de nos dirigeants sont journalistes. Et puis, si ce n'est pas une information, Tshisekedi Tshilombo est communicant. La formation qu'il a appris, c'est un communicant. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien la communication. C'est pour cela. Généralement, nous qui sommes communicants, quand quelqu'un fait mal ton travail, toi-même, tu fais le tout. C'est alors que tu as vu Tshisekedi dans tout le front pour défendre les pays. Front diplomatique, l'image par rapport au sport, l'image par rapport à la jeunesse, l'image par rapport aux femmes. Tshisekedi était dans tout le front pour défendre seul le pays. Jimmy Mukindi, vous avez appris, un peu par comme tout le monde, que les députés touchaient 21 000 dollars. Semble-t-il que c'est faux? C'est faux. Non. L'information n'est pas vérifiée. L'information n'est pas vérifiée. Vous avez des éléments? Confirmé par Delicessa. Vous avez des éléments? Confirmé par l'honorable Delicessa. Ma question est celle-ci. C'est vrai, on a entendu l'information. Moi, je vous dis, c'est que moi, je détiens comme info. Maintenant, je ne sais pas si c'est à vous de balancer ou à la population qui nous suit de balancer. Je vous dis que c'est une fausse information. Est-ce que vous connaissez le... Je vous dis. Je vous ai informé. Vous m'avez dit, vous avez affirmé quelque chose. Je vous dis, c'est une fausse information. On a appris. Oui. Moi aussi, j'aurais appris que c'est une fausse information. Est-ce qu'on doit continuer avec la question ou bien évoluer? La question est-ce que vous avez une idée de combien il touche? Non? En tout cas, pas exactement. Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Combien? C'est vraiment pas ce qui m'intéresse pour l'instant ou même quand je serai là-bas. Combien pensez-vous qu'un député, pour bien travailler, peut toucher notamment? Attends, j'ai essayé d'éviter cette question-là, mais vous voulez que... j'évolue. Bon, je vais évoluer. Question d'argent. Vous savez, notre pays, pour que ça se développe réellement, nous devons savoir que chacun, selon ses responsabilités, doit avoir les moyens pour bien faire son travail, pour ne pas être corruptible, pour ne pas être facilement piètre. Ok? Nous connaissons comment est-ce que notre pays fonctionne. On a vu des généraux, moi je l'appelle, je pèse bien mes mots, être vandalisés par des Libanais indiens. Je pèse bien mes mots. Par des Libanais indiens. C'est là Nakoli Moussaïo. C'est là Nakosale. On vit ça. Et ça continue. Pourquoi? Peut-être pas parce que ces gens-là ne touchaient pas leur argent. Mais ils n'avaient pas le droit de parler à l'époque de Kabila. Peut-être ce sont des informations qui ne circulent pas. Allez vous renseigner comment est-ce que le président actuel traite les officiers de l'armée, les généraux, même les soldats. À l'époque, on voyait comment est-ce que tous ces gens-là souffraient. Allez vous renseigner. Je dis bien, si vous avez un frère qui est colonel, général, je ne sais pas moi, major, allez vous renseigner. Ce sont les informations. Parce qu'eux, ils sont censés être apolitiques. Ils sont censés servir le pays sous le drapeau. Mais la manière et la considération que Tshisekedi a à ces hommes-là du pays et par rapport à ce qui s'est passé où vous n'aviez même pas droit d'ouvrir votre petite bouche, sinon on vous tue. Il y a changement, il y a évolution. Il y a des choses qui changent. Mais maintenant, il faut jouer à l'équilibrisme aussi. Vous comprenez? Il est vrai, la misère, il y a des problèmes dans notre pays. Mais est-ce que moi, ça me ferait mal aujourd'hui ou demain si un enseignant touche 5 000 $, 10 000 $? Est-ce que ça me ferait mal?
Nous devons plutôt travailler pour que ça change. C'est vous qui serez autorité budgétaire, Assemblée nationale. Ce sont les députés nationaux qui votent le budget, la répartition. Oui. Ouais. Telle affectation au, ouais, à tel ministère, à tel secteur. Mais bien, Jimmy, bien Jimmy entendu. Mukendi, Jimmy Mukendi, député national, combien vous donnez aux militaires? Combien vous donnez aux enseignants? Combien vous donnez aux policiers? Vous donnez aux travailleurs du secteur public? Parce que ce sera vous l'autorité budgétaire. Je ne veux pas atterrir à la démagogie que nous vivons aujourd'hui au travers les médias, chez certains candidats, même président de la République, qui disent n'importe quoi sur la gestion du pays. Et que, tel que je suis là, si je passe député ou je passe président de la République, je vais construire des maisons ici, je vais arranger Kinshasa avec mon argent, je vais faire ceci. On n'est pas là. Sincèrement, le pays aussi n'a pas besoin de ça. Il est vrai, nous devons avoir des modèles. Les modèles des économies qui ont émergé d'une certaine manière. Mon frère, mon cher ami, on n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Moi, je ne connais pas un enseignant millionnaire. Même aux États-Unis, même en France, je ne connais pas. Mais le traitement est quand même mieux qu'ici. Si. Moi j'ai vu et j'ai suivi même des émissions où un enseignant qui dit que sa vie tourne tout autour de 3 000 $. Quand je parle d'un enseignant, je ne parle pas d'un enseignant d'école primaire, je parle d'un enseignant des universités. En France, s'il vous plaît. Et il s'est dit, si j'avais suivi cette vie-là, j'allais mourir. C'est alors que je suis entré dans le business, j'ai fait mes affaires et je me retrouve. Aujourd'hui, le monde ne peut pas être cloisonné quelque part, d'autant plus que et la technologie est en train d'évoluer et les choses sont en train de changer. Quelqu'un qui fait 5 ans à l'UNIQIM, il finit comme médecin, il a 20 $ de consultation, 25 $ de consultation par malade. Quelqu'un qui commence à parler de matin jusqu'au soir, il a 30 000 $ sur TikTok. Vous voyez comment est-ce que ça commence à évoluer maintenant? Il faut relativiser et savoir comment faire changer les choses. Nous ne devons pas aussi rester dans des sentiers battus, dans des carcans fermés, pour réfléchir que si je change, qui te dit que le métier d'enseignant va continuer demain? Il va avoir l'ampleur qu'il y avait il y a 50 ans. Quel sera l'apport de Jimmy Mukendi en tant qu'élu national? S'il y aura là où je veux mettre mon accent sur ce que je veux faire à l'Assemblée nationale, ça serait la construction et le changement de système des pensées de l'homme. Si moi et toi, on est conscient et qu'on ne touche pas à la caisse de l'État et que je dois faire la différence entre la caisse de l'État et l'argent de mes enfants et de ma femme, c'est déjà quelque chose. Si moi et toi, nous sommes conscients que la caisse de l'État appartient exclusivement à la population et aux travaux liés à leurs intérêts, on va avancer. Mon frère, les ambitions, les beaux discours, on l'a écouté, il y en a dans ces pays. Il y en a qui parlent de manque de volonté, mais moi je parle de manque d'hommes. Parce que nous choisissons mal nos candidats, nous choisissons mal nos députés. Comment? Parce que. Comptez-vous changer cela? Parce que. Non, mais quand je vous parle de l'homme. Quel est l'apport? Oui. Il faut partir de quelque part. Justement. Oui. Vous partez d'où? Moi. Oui. D'abord, pour que ça change au niveau du Parlement, oui. J'estime que ça doit changer au niveau de la population. Parce que nous avons les dirigeants que nous méritons. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ma démarche? Je ne veux pas nager dans le vide. Je vais voir mes déficits sur terre et analyser ce que je vois en face et donner des pistes de solutions. Population obozo landanga na minute oyo. Pays nabiso eza en danger. Toza en face ya ligue ya baisco mondial. Et toye bi bango de nom.
Yeba ke ozumbon ya escroc mondial, ya mouyibi, oche na poche, ozu position politique, obomi batuna est. Les gens qui tuent à l'est, c'est pas seulement l'armée. C'est là où moi je me retrouve. Et c'est le travail de fond. Mon cher ami, cette population donne confiance aux piètres, aux voleurs, aux gens qui ont réduit notre pays, qui ont terni l'image de notre pays. Sachez que nous pouvons beau dire les discours. Vous connaissez le manifeste de l'Antéré? Vous avez eu le temps de lire la lettre de 52 pages. Les 13 parlementaires. Je te dis, il y a de textes, même. Allez, vous êtes journaliste, allez aux archives de l'Assemblée nationale. Cherchez même les résolutions de Conférence nationale souveraine. Tout était prévu pour que ces pays se développent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Là, tu me rejoins. Un problème d'homme. Un problème de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. Kokanga mutu fo comme normal. Et ça, j'encourage le président de la République. IG Fazo Salamou Salana, Asengi ba ministre, ba futa, ba tout, mbongo na ba compte en banque, na cadre, ya ba prime na bango ba zoaka. Combien de cabinets ba zole là? Ministre Zumbonga tche poche, na poche a kena likang on a Dubaï. Ministre Zumbonga sombi lupang on a GB. Et ça s'est fait tout autour de nous. Tout le monde a rabango, tout le monde a rabango. Et j'ai vraiment horreur quand les gens applaudissent à ces gens-là. Et puis malheureusement, ce sont des gens au bazo ça là-bas plein à Bastad. Et qui, bah, Kinshasa, Tolia Bambongo, Tozo Maputa, Tozo tout. Ce sont des incompétents, on ne va pas le faire. Ndeko Jimmy Mokendi, tout le monde a affiché na yo zo soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Bon, la ni zo soutenir yé, alors que. Personnellement, ni les autres au soutenir et au canicique la campagne électorale a reporté aux chances. Mon histoire avec Félix Tshisekedi, c'est une histoire vraie, personnelle. Tu parles de 2018, regarde mes effigies. Ce n'était que avec Félix Tshisekedi. Il y en a à l'époque de Kabila qui m'ont dit ouvertement. Impossible. Je croyais à l'homme. Si tu sais qu'il était piètre, il n'avait pas une bonne formation. Il était comme tout le monde imaginait. Mais pays, na minute auto beta maso mususu. Soki vraiment yanki azali na posa pena ya ko bukala. Ko lia mbongo mboka. Mais est-ce que tu sais qu'il y a 2018, non, tu sais qu'il y a 2023, et ça, quand on a la population à Lingi, à la population à ah, tu me confirmes qu'il y a 2018, population à Lingi qui est ma casse. Parce que tu l'as dit. Pour yon d'abîmer avec tata mon coup. Mais parce que tu l'as dit. Parce que tu l'as dit. Tu crois que tout ce que je dis ici, les gens sont si bêtes, dans le baba escroc, dans le baba escroc, combo, ton ingi, ou bien après, tu es dans la campagne, hein. Tu veux que je cite les noms? Na ba na robenga batu musu na ba komba ba mboka na ba ngopo e koma lisu ke na Jimmy Alegai na TV abenga yo yo sori aso ki ndenge nini. Non, je suis pas dans ça. Je te parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Beton mwana ya mama Martin na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est-à-dire le monsieur a eu la chance de partager le toit avec le grand leader Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ya mboka oyo. Je n'invente rien, je ne fabrique rien. À Koufi tête haute. Tout ce qui s'est dit est l'obami. Moi, je te dis, on connaît ce pays. Même l'opposition. Bato Bossa, l'opposition. Toye Bani. Tshisekedi est en train de travailler. Tshisekedi nous amène quelque part. Il y a eu beaucoup de choses par défaillance communicationnelle. Na zongi sous Likambo Aram. Likambo Aram. Soki. Ezalaki. Yemogo. Félix Tshisekedi, a fongola ka misu, nenga yaka ko fongola na francophonie, nenga bana oleka chaque fois na francophonie pour nous vérifier misala, nenga bana oleka pour nous sala makamu susu. Je te dis, tozala déjà musika. Quel est le bilan du président Tshisekedi aujourd'hui, 5 ans après, son bilan personnel, pas associé à son gouvernement, lui-même, en tant que chef d'État, 5 ans durant? D'abord, moi je stime personnellement que, en termes de mettre à penser d'un leader qui veut imposer son style. Il a dit au Congo-Brazzaville,
je suis un démocrate panafricaniste. Quelqu'un qui a le souci de ses frères et de ses sœurs. Et les messieurs, tout chrétien que je suis, a laissé le pays ouvertement entre les mains de Dieu au début de son mandat. C'est-à-dire, moi je suis chrétien, je clique like, je dis j'aime. Ok? Au-delà de cela, je regarde en face. Il y a, sur le plan spirituel, je dis bien sur le plan spirituel, les agents du diable. Parce qu'aujourd'hui, moi, ma religion... En politique? Oui. Je parle de la religion, t'inquiète, je t'ai parlé de chrétienté du chef. Et je te parle là, il assume sa chrétienté. Oui. Il assume qu'il est un chrétien, il n'est pas musulman. Oui. Il assume et il est voté pour ça aussi. Je le dis. Aujourd'hui, il y a les LGBT, ils sont forts partout. Moi, je suis sûr qu'il a travaillé le monde. Il y a des coins où tu touches pas à un homosexuel. Tu n'oses même pas. Et l'État te condamne, et le système te condamne. Il y a même des systèmes de mafia qui prônent ce genre, cette manière de faire. Si c'est pour ça, si on me dit aujourd'hui, je vais aller siéger pour, par exemple, valider le mariage homosexuel, je ne le ferai jamais. Des candidats, est-ce qu'il y a... Je ne suis pas populiste. J'ai besoin que les gens qui vont me voter soient des gens convaincus de mon discours. C'est pas par rapport à ce que je vais leur donner, mais c'est par rapport à mes convictions, c'est par rapport à ce que moi je pense, c'est par rapport à ce qui monte dans mon cœur. Pensez-vous qu'il y a des candidats qui font la promotion du LGBT, de l'homosexualité, des gens de transgenre, bref, le LGBT? Mais il y a des noms qui te montent dans la tête. Je ne suis pas là pour citer le nom des gens. Je te parle. Il y a des candidats. Tu m'as posé une question sur mon candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, le candidat population angalema oyo bazo pesanga confiance au-delà de tout parce que ce n'est pas de moi-même to pesaki volonté na nga mokote que na comme candidat to na sala députation eza processus ya oyo na moni za iko sale manambo kana biso nde non seulement pousser nga na postuler mais aussi et sali que na bwa kanzo to nga pour na sala apostolat ya bande konangai o bazo souffrir. Ne vous inquiétez pas. Le travail que nous faisons, le travail des gens, ce n'est pas un travail facile. Moi, je sais parler pour les autres. J'ai été victime dans ma vie, même sur le plan professionnel, pour parler des autres. Intérêt dans la tamorote zali. Mais je me dis, je me lance à l'eau, je veux parler. J'ai ce courage-là. Et je crois que pour la République, il est temps. La République qui nous a vu naître, République de Kolisi Biso, essentielle à formation dans la nazu en Mboka, Nyon sur Malonga. Na sali na mboka oyo. République oyo pesi biso ba chance en tant que ba jeune to progresser to sala entrepreneuriat. Et puis aujourd'hui peto za la exemple ya batobele. Je pense que il est temps il y a ko rendre yango ascenseur, il y a ko keneko décider na ba niveau songolo pakala. Pote to mitika diriger na ba inconscient. Je pèse bien mes mots. To mitika diriger na ba to ba ko ya ko yi ba bisoté. Bato ba oyako dépensé ba mbongo na bango sikoyo ateki mapango o azoki na mbongo l'état mo yibi akiti na terrain sombi ba t-shirt ba kepi a tondisi ba stade pobo voteye tango akota na députation tango akota na mouvement asali ba théâtre asali onyo so bino boyebi sima boye ko lelela biso parce que boyaka ko lele pa biso parce que biso to zakana bino. Il est temps de changer makambo nga naza Jimmy Mukendi Chibanga. J'ai toutes les compétences requises, j'estime Pona na siégé na parlement na Kombo na bino. Et je sais que mon Lukunga, parce que Lukunga, va devoir le voir pour la poule de la mort. Moi, je ne vois rien en face. Je te dis, je ne vois rien. Ils ont complaisance. Toye bani maman Naomi. Au moins, na base, oh ya yo. Moi, je dis ça aux gens.
tu es candidat na base oyayo to kabla ba voir ko bangate élections elle est 20 et elle soumitité dans quelques jours na base oyayo to kabla ba voir c'est-à-dire na ba base na bino nyonso tchaso ki a 100 voix yo juste 50 na juste mais est-ce que oyebi oyebi lukunga madame est-ce que oyebi ngali madame ba problème ni ya makasi oyebi que oso ki na koti o penza na bandi na maman vous parlez à un journaliste. Je n'ai pas venu faire le perroquet ici. Non, mon ami, on va député. Bah, y'a, ah, n'a y'a bien pas, boy. Ah, les cambou, boy. Faites attention. Quand on te commande à qu'on a un parlement, on te commande à député national, bah, député provincial. D'abord, de un. Et puis, n'a 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 Kinshasa. N'est au fan d'un à Kinshasa. Les problèmes de Kinshasa. Oh, Kokuta. Nakitam. Yangonde Kokuta. Nangalima. Yangonde Okokuta. Na Bandalungwa. Soko kepe na ba province mususu, il est vrai, je vous ai parlé des problèmes ya mai. Courant. To lo basko courant. Na gombe problème courant zate. Et ça ba problème. En plein 21e siècle, to kobi mana yo to kemboka mususu, okomo na ta place courant katanyata une seconde ti. C'est tu à quoi? Et ça ndenge nini? Inga ezawa, ba câble ezawa, ba courant ezawa. Qu'est-ce qui se passe? Contribuer à payer sa rambon on aille. Il y a le problème que nous devons arranger. Tala, tout à la nanon en face. Tout à la posa, tout comme un millionnaire bisounio sauté. Tout à la nanon jib bisounio sauté. Mais tout à la nanon en face. Tout bon à bisounio sauté. Il est temps que dans notre pays, tout bon à bisounio sauté. Et ça la tête que famille moro est bongi, bande comme moro babongi, ti. Que bon à bisounio sauté, que nana la mouki na tongo, na meli maï. Moutoupasa peme nanga amelima. Il y en a qui meurent na soif ya mai. A Kinshasa. Voilà. Tout le belaba Kinshasa, bino moumouna anava prince. Moi, comme journaliste, j'ai fait des choses. Nana kenda ko aide batou même na bampasa, na ba ofeli, na ba serra noirite. Kuna, là où les gens, peut-être, on a l'ambition de un jour na postuler. Kuna, on l'a fait. To sali ango. C'est pas pour autant que na voya ko brandir bino bilo kouana. Je vais expliquer que nous sommes dans le 21 quartier, dans le quartier où nous sommes dans le quartier. Nous sommes dans Kinshasa. Il y a vieux moussous qui sont dans Kinshasa, mais il y a des détails qui viennent à Bruxelles. On y et puis, les gens m'ont fait. Donc, méfiez-vous de ce genre de personnes. Moi, je suis Jimmy Mukendi. Toute ma vie, sous qui a Pembeo et Bimina dans la rédaction, c'est-à-dire dans Misala, dans Makamba, dans Makamba, ni à famille, ni à Bandeko. Et puis, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et qui ont été en train de se faire. Et qui ont été en train de se faire. Il est vrai qu'à un certain moment, tout le coup de pouce à battre. Il y aura un côté. On a travaillé avec Bababa Sué qui nous a trouvé à Horizon 33 et puis on a évolué. Tout travaillé dans la CNL. On a travaillé avec beaucoup de choses. KNB Yoyebi. On a fait beaucoup de choses dans ces pays. On a été, je le dis, sans pour autant qu'on a la peur d'être contredit parce qu'il y a des feedbacks aux Zongelanga. Nazali modèle ya réussite na entrepreneuriat made in Kinshasa. C'est-à-dire on a quand même donné le goût aux jeunes gens de côté les makozela koko ma demande d'emploi mais aussi si chic directement que Luka au que ça là au créer pe entreprise au comme pe patron ba comme ko benga yo. Moi je ne fais que 42 ans. Au-delà de tout ce que je fais. Ouais. 20 ans de carrière. Je ne fais que 42 ans. Donc, je crois que j'ai encore beaucoup à donner pour ma nation, pour que mon cannabis soit progressé. Il y a un bon alukunga. N'est-ce que brouille quand tu tournes la TV, brouille quand tu tournes la venue, bah, bandele zali na ba banderole, oh ngaboye soso nyau, tout ça. Tomi kosate, Tomi tala en face, na lukunga toyebani, na Kinshasa toyebani. Et puis même sur le plan éducationnel, moi mon père c'était un enseignant. Bateau, batanga na lycée Bolingani, baby papa nanga zaka préfet na lycée Bolingani. Ça dit biso to koli neti bozo kola bokola na Kinshasa mais bokola lokola bana ya commune mususu. Ça dit bokola lokola différent quoi. Bokola différent éducation na to yong. Mais là peut to bimi na balabala to moni balabala. Donc moi facilement je peux te parler très bien avec un chege. Je peux parler très bien avec un président de la République, je peux parler très bien avec un sénateur, je peux parler très bien avec un Américain, okay, je peux parler très bien avec un Français. Merci beaucoup, bon numéro. Mon Amboka. Bon numéro. C'est un set Lukunga. Tomi Kosate, tu as eu en campagne. Tu as eu le bas. Tu as eu la TVT pour que tu aies eu n'importe quoi.
to pona koya ko soutenir mutu po simana pokwa to betela eto to betema matolo nga na jargon nga matolo zakati. Je suis un homme respectueux et respectable dans tout ce que je fais. Na sengi bana lukunga avec beaucoup de modestie. Le 20 to c'est trahirté. Le 20 auto c'est trahirté. 707 pour Lukunga, 303 pour Ngalema. Et je sais que bako votenga massivement parce que nazo informé nous allons premier meilleur élu. Il y a mandature ou ça serait moi. Alors bonne chance de ko en connaissance de cause. Matin domingue de mondima ko na mituna. Merci Naomi, merci beaucoup en tout cas, c'est pele mingi malgré que botiki ngata na lobela makam na campagne té mais bon, quand on parle de Congo et matarabiso toujours, toujours na passion toujours. Comme bien même que tu n'as pas cité, mais il y en a qui ont détruit ces pays où il faut plutôt ça la confiance. Oh, très bien, merci beaucoup, Ndeko Danzan, Matin Domingue. Naomi, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Tokutani, très prochainement, Ndeko Jimmy Mukendi, Tokutani, Mikolo Zalikoya, campagne Zokoba, sûrement Tokutana, Ena Bandeko Bozali, Banda Penakati, Ambo, Kezaki, numéro à Yambo, pour Namoko, Naledo, face à l'opinion. Tokutani, tout à l'heure, on a invité Moussou Soumet toujours. Avec le même plaisir. Au revoir.